Bonjour tout le monde. Désolée, la vidéo, la caméra est plus basse que moi. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer les deux commodes que j'ai faites en cartonnage. Donc, vous voyez déjà à côté de moi la hauteur. Donc, elles font à peu près 50 cm. De haut, j'ai préparé ma règle, j'ai oublié. Il y a Fifi qui est venue, qui se dit, mince, je ne peux nulle part. Donc, là, ça fait 50. En largeur, elle est un peu plus, 50, 55 en largeur. Donc, 50 comme ça, 55 comme ça. Et en profondeur, un peu plus de 40. Voilà. Donc, j'espère que vous la voyez bien, parce que la pièce est petite, c'est compliqué de filmer. Donc, vous l'aviez déjà vue, celle-ci. Donc, elle a été faite avec trois grands tiroirs, comme ceci. Ici. Donc, ce sont des grands tiroirs comme ceci. Voyez, et ensuite on a 6 tiroirs ici comme ceci, donc ils sont assez profonds hein. Bah, du coup ils font la taille de la commode en profondeur. Voilà. Et celui de haut est un peu plus petit. Donc sont tous tout est fait en tissu, bien sûr, en cartonnage gainé avec du carton plus fin. Je vais vous montrer avec hop, une petite poussière. Oui, ils sont gainés complètement en tissu rouge et les tiroirs sont faits. Ah, donc avec des petites poignées, un petit ruban. Donc c'est sur le thème de la fée Clochette, c'est ce qu'on m'avait demandé. Donc il y a de la fée Clochette sur le dessus, sur les côtés, vous le voyez, hein. Bon, il n'y en a pas derrière ni en dessous, puisque bon, bah, ça aurait été une perte de tissu, c'était pas la peine. Niveau poids, je ne l'ai pas pesé, mais elles sont très très lourdes. Elles ne doivent pas être loin des 10 kilos, je pense. Elles sont extrêmement lourdes, puisque y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de carton dessus. Toutes les étagères sont faites Quand je dis étagère, donc c'est ce qui est ici entre deux tiroirs. Tout est fait en 6 mm. Donc ça prend beaucoup de poids. Toute la carcasse est faite en 3 mm. Et tous les tiroirs sont faits en 2 mm. Voilà. Donc, mais je vous dis, elle est pas loin des 10 kilos, à peu près. Donc, fait son poids. Donc je pense que dans le temps elle va durer, faut l'espérer hein. Donc voilà, sur le côté je vous montre ce que ça fait. Hop hop hop, on va vous bouger. Voilà, donc là bah, vous avez les deux du coup, exactement avec les mêmes tissus. Ce qui va changer un peu, c'est la façade hein, puisque là vous aviez vu. J'ai essayé de vous rebouger, désolé. Vous voyez là la façade. Hop. Donc vous aviez une fée Clochette verte ici sur les grands tiroirs. Et là, ils étaient tous en tiroir rouge avec un ruban fée Clochette sur le devant. Et je vais vous montrer. Alors attendez, je vais bouger mon porte-manteau, ça va aller plus mieux. J'arrive parce qu'il est en marbre aussi. Voilà.
et je vais vous promener à travers ma pièce. Ne faites pas attention, hein. Surtout que là-bas, il y a mon linge qui, qui sèche. Alors, j'essaie de vous remonter un petit peu pour que vous voyez mieux. Allez, je vais essayer de vous la montrer le mieux possible. Hein. Alors, c'est la même taille. Bon, ici, on a une autre fée clochette. On a toujours nos trois grands tiroirs. On a toujours nos six tiroirs ici. Donc, bon, celui du bas, vous ne le voyez pas bien, mais il est là. Là, la différence, c'est qu'il y aura un sur deux. Il y a un tissu, il y a un tiroir avec un tissu rouge, un tiroir avec le tissu fait clochette. Voilà. Donc à chaque fois, on a une tête différente de fée sur chaque tiroir. Et sinon, c'est exactement la même chose. Hein. Je vais vous la mettre là plutôt. Pardon. Oui. Donc la taille est pareille. La taille est exactement la même. Excusez-moi, je m'étrangle. La taille est la même. Le nombre de tiroirs est le même. Voilà. Donc, je vais... Le poids est, est le même. Le poids est le même. Sinon, il n'y a rien qui change. Hein. Voilà. Donc, juste que j'ai fait le changement, là, au niveau des façades. Pour la raison, c'est que je n'avais plus assez de rubans. Et je n'avais, la personne qui vendait ce ruban-là ne l'avait plus. Donc, j'ai décidé de faire comme ça. Je trouvais que ça faisait aussi bien. Ça faisait une petite touche... autre que, bah, que l'autre commode, ça fera un petit changement. Donc j'espère que ça plaira à la personne. Donc voilà. Donc il y a eu plusieurs heures de boulot. Bon là, elles ont été finies il n'y a pas longtemps. Hein. Celle-ci a été finie il y a quoi, une quinzaine de jours. J'ai fini il y a une quinzaine de jours. J'étais très très longue à faire cette commande, je sais. mais bon, il y a quand même de nombreuses heures de boulot dessus, sur ces deux commodes. Je vous rebalade de l'autre côté, c'est plus simple. Hop, désolé, vous me voyez en face. Voilà. Donc, il y a quand même eu de nombreuses heures de boulot. Je ne saurais pas vous dire combien d'heures exactes j'ai passé, mais ça se multiplie en dizaines, en plusieurs dizaines d'heures. Voilà, pour faire ça. Et ce qui est sûr, c'est que je n'en ferai plus. Voilà. Ce sera mes dernières. Je ne ferai plus. Voilà. Peut-être que je referai peut-être du cartonnage, mais on va dire pour moi, pour faire une petite boîte si j'ai besoin, des choses comme ça. Mais je ne ferai plus de grosses pièces comme ça. Terminé. Donc voilà, je voulais vous faire la petite vidéo pour vous montrer donc ces commodes. J'espère que la vidéo vous aura plu, que je suis toujours là, que la vidéo vous aura plu. Et puis bon, je voulais vous la montrer parce que là, elles vont partir cette semaine chez leur nouvelle maman. Et puis comme moi, je rentre à l'hôpital la semaine prochaine, bon ben, c'était plus simple que je vous fais la vidéo maintenant. Pour vous les montrer. Voilà. Ben là, on va se faire un gros bisou. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.